Salut, salut les copains, les copines et les gens qui ne connaissent pas encore Pinkies. Je vous fais une petite vidéo que vous m'avez pas vue depuis longtemps parce que j'ai fait un couteau. Je voulais vous le montrer parce que pour une fois j'ai pris le temps de faire un truc de mon côté sans en dehors des commandes parce que bon, bah, faire tout le temps les commandes de ceux qui veulent le même couteau que l'autre, moi ça me dérange pas, mais j'aime bien montrer qu'on peut changer un petit peu de temps en temps en restant quand même dans le proximité de ce qui vous plaît. Donc voilà, un pesqueter avec une lame dans un très très beau damas. C'est beau ça, le beau damas sauvage issu de la métallurgie des poudres, s'il vous plaît. C'est du top, c'est du costaud, c'est du super solide. Et puis voilà, avec une mitre en bronze coulée à l'atelier, bien sûr, soudée au platine. Par brasure argent, des platines en inox, s'il vous plaît, le ressort en inox, s'il vous plaît, et les plaquettes de bois en eau, puis n'importe quoi, moi, en bruyère, s'il vous plaît, en bruyère, mesdames et messieurs, c'est de la bruyère, de la bruyère, de l'opérec. Si cette machine arrêtait de faire le point sur mon visage, vous verriez mieux ce que j'essaie de vous montrer. C'est joli la bruyère. Ouh là là, c'est joli. La bruyère. La bruyère, c'est joli. C'est de la bruyère de l'Opérec. Hein. Ça pousse ici à côté de chez moi. J'ai eu deux petits morceaux de quoi faire deux couteaux. Et puis c'est tout. J'ai pas de bol, j'aurais aimé en avoir plus, mais j'ai eu du bol. J'ai réussi à en avoir deux petits bouts. Voilà. De la bruyère. De la bruyère des monts d'Arrée. Un manche en bruyère des monts d'Arrée, là-bas dans les monts d'Arrée, bruyère des monts d'Arrée, avec un guillochage original, un rainure central, là, sur les photos, vous verrez mieux les détails, je pense et j'espère, j'espère et je pense bien que j'espère que vous verrez beaucoup mieux. Voilà. Hop, ça y est. Bon, je voudrais pas avoir à baisser la tête. Attendez. Hop. Veux-tu tenir comme il faut, toi? Oh là là, c'est l'époque qui veut ça. Il fait un temps épouvantable et rien n'obéit dans mon atelier. Heureusement, celui-ci ne m'a pas encore mordu comme l'autre créature sortie de mon laboratoire de l'autre jour qui m'a coupé le doigt et je pissais le sang. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. C'est sale, c'est normal, mais ça va beaucoup mieux. Hop, je guéris très très vite, c'est magique. Pesqueter, bruyère et damas inox issu de la métallurgie des poudres. Il sera à vendre d'ici demain, je pense, sur le site painkless.fr dans la boutique, si vous le voulez. Ciao, ciao!